10h ce mardi matin, lorsque la 11e réunion de la conférence territoriale de l'action publique s'ouvre à l'espace régional du Rézé. Une réunion entièrement consacrée au dossier problématique de l'eau en Guadeloupe. À l'ordre du jour, l'état des lieux des dettes des opérateurs locaux et surtout la présentation des modalités de création d'un nouveau gestionnaire unique de l'eau. En présence des exécutifs, des collectivités, régions et départements, la réunion va connaître sur l'introduction du préfet un rebondissement. Alors que Philippe Gustin condamnait dans ses propos les actions de Moun Guadeloupe contre le manque d'eau, ce qui va suivre va surprendre l'Assemblée. Je pense qu'ils n'ont rien à faire de cette question de l'eau, ils ont d'autres visées clairement politiques, et donc nous ne pouvons pas nous permettre, nous les connaissons, nous savons exactement qui ils sont, comment ils sont structurés, hein, c'est une trentaine de personnes, et ils ont plusieurs poursuites pénales là en cours, et toutes les plaintes qui pourront être déposées nous permettront d'augmenter le quantum pénal. Je fais confiance en la justice de mon pays. Voilà, Monsieur le Président, les quelques mots que je voulais dire pour notre production CCS. Bien bonjour. J'ai fermé la porte. S'il vous plaît, nous sommes des Guadeloupéens. Nous sommes des Guadeloupéens, on ne va pas venir comme ça. Qu'on respecte nous. Nous avez dit que vous revenez. Sont beaux les politiciens. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le Préfet, on a bien un jour qu'on dit ça. Alors, Préfet, ça bouge bien vite les gens. Donc, il serait intéressant de trouver certaines solutions. Ça va faire un petit moment, c'est ça qui est revendication nous. Ça c'est un cadre légal et un respect de la dignité humaine. Allez, faut y tout. Bonne journée. Ils ont pété tranquille encore. Il y a des problématiques à résoudre. Notre manière, elle est ce qu'elle est, mais on veut des résultats concrets. Donc ils font leur réunion, ils ont intérêt lorsqu'ils sortent de leur réunion de nous donner notre réunion parce que s'ils pensent qu'ils vont faire des petites réunions à droite, à gauche et que ça ne va rien donner, maintenant aujourd'hui ils ont une obligation de résultat ou sinon nous, on a une obligation de leur mettre la pression jusqu'à ce qu'ils puissent nous sortir quelque chose. Maintenant, on leur pose la question, à quel moment vous mettez le dispositif légal pour les Guadeloupéens? Ou qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent? Et en fait, on s'en fout de ce que vous avez fait avec l'argent. Mettez les bouteilles de l'eau à disposition aux Guadeloupéens. Après 15 minutes de discussion, les travaux ont pu reprendre sans la présence des journalistes cette fois. Depuis mai dernier, la Guadeloupe avait opté pour la création d'un syndicat unique de gestion de l'eau. Si le calendrier opérationnel de sa mise en place est respecté, la structure devrait être opérationnelle dès 2020.